Bonjour à tous et à toutes. C'est un personnage que j'admire énormément, qui s'appelle Giordano Bruno. Hein? Je ferai une parallèle aussi sur l'ufologie. Et en même temps, je ferai aussi une parallèle sur Daniel Meroy, sur le livre secret de Jéchua, c'est-à-dire sur la vie de Jésus. Voilà, comme ça, je ferai faire un rapprochement entre les deux pour vous dire qu'encore une fois, tout se rapproche à l'ufologie. De toute façon, ça n'y échappe pas. Alors, Giordano Bruno. Filippo Bruno, dit Giordano Bruno, né en janvier 1548 à Nola en Italie et mort le 17 février 1600 à Rome, est un frère dominicain et philosophe napolitain, sur la base des travaux de Nicolas Copernic et de Nicolas de Cusi. Il développe la théorie de l'héliocentrisme et montre de manière philosophique la pertinence d'un univers infini qui n'a ni centre ni circonférence, peuplé d'une quantité innombrable d'astres et de mondes identiques au nôtre. Je vous rappelle que là, nous étions au XVIe siècle, hein, d'accord? Accusé formellement d'athéisme et d'hérésie, particulièrement pour sa théorie sur la réincarnation des âmes, alors qu'il a tout à fait raison, par l'Inquisition, hein, d'après ses écrits jugés blasphématoires, où il proclame en outre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais un simple mage habile, et ce qui est fort possible aussi, c'est pour ça que je vais faire le lien à la fin. Voilà. Mais qui a été guidé par des Elohim, c'est-à-dire extraterrestres, hein, pour Jésus, c'est encore autre chose. Bon, que le Saint-Esprit est l'âme de ce monde, que Satan sera finalement sauvé, bon, et poursuivi pour son intérêt pour la magie. Il est condamné à être brûlé vif au terme de 8 années de procès ponctués de nombreuses propositions des rétractations qu'il paraissait d'abord accepter puis qu'il rejetait. Une statue de bronze à son effigie trône depuis le 19e siècle sur les lieux de son supplice. Alors, la statue de bronze, elle a été commença le 1er janvier 1801 et finie le 31 décembre 1900. De toute façon, je vous ferai voir les photos. Sur les lieux de son supplice, au Campo de Fiori, à Rome, il est compté au nombre des martyrs de la liberté de pensée, c'est-à-dire la pensée qui n'est pas dans la pensée unique. Hein. Comme de nos jours, ce qu'on voit, de toute façon, dès que t'es pas dans la pensée unique, on te fout en prison ou on t'interne. Hein. De toute façon, c'est la réalité et ça n'a pas changé sur ce programme-là, on va dire. L'éducation dominicaine de 1548 à 1575 de Giordano Bruno. Bruno, né en janvier 1548 à Nola, bourgade proche de Naples, qui révèle de la souveraineté espagnole, son nom de baptême est Filippo. Sa famille dispose de revenus modestes, son père est homme d'armes. L'école la plus proche lui donne une instruction imprégnée d'humanisme, d'auteur classique, d'études de la langue et de la grammaire latine, et sera toutefois rebuté par le pédantisme de l'enseignement. Il rejoint l'université de Naples où il découvre la mnémotechnique, l'art de la mémoire, qui constituera rapidement de ses disciples pleine d'excellence. Il prend aussi des cours particuliers qui le mettent au cœur des débats philosophiques entre platoniciens et aristotéliciens. Sa culture, alors essentiellement humaniste, s'enrichit d'un apport théologique déterminant. Le 15 juin 1565, il entre chez les frères prêcheurs de San Domenico Maggiore, d'une part prestigieux couvent dominicain pour la qualité des titres qu'il attribue réputé dans toute l'Italie, d'autre part précieux refuge en ces temps de disette et d'épidémie. D'épidémie. Hein. Il rencontre Giordano Crispo, maître en métaphysique, dont il apporte le prénom en guise d'hommage. Il est alors un dominicain modèle, vivant selon la devise Verbo exemplo, par le verbe et par l'exemple, et ordonné prêtre en 1573. Je vais vous lire directement la cosmologie de ce qui l'intéressait. Parce que faut pas oublier que Giordano Bruno, lui, c'est l'univers infini, ses idées remarquables. Faut pas oublier que nous sommes entre 1500 et 1600. C'est l'univers infini et la pluralité des mondes. Ses principaux intérêts, c'est la théologie, la philosophie, science et magie. L'école tradition, c'est l'atomisme, néopythagorisme et néoplatonisme. Alors, naissance le janvier 1548, Anola, compagnie dans le royaume de Naples, est décédé le 17 février 1600 à 52 ans. Ce qui est quand même jeune. Hein. Pour l'époque, c'est peut-être pas aussi jeune, mais bon, quand même. Cosmologie. Dès 1584, le banquet des cendres, Bruno adhère
contre la cosmologie d'Aristote, à la cosmologie de Copernic en 1543, à l'héliocentrisme, double mouvement des planètes sur elles-mêmes et autour du Soleil au centre. Mais il va plus loin, il veut renoncer à l'idée de centre. Il n'y a aucun astre au milieu de l'univers parce que celui-ci s'étend également dans toutes ses directions. Chaque étoile est un soleil semblable au nôtre et autour de chacune d'elles tournent d'autres planètes invisibles à nos yeux mais qui existent. Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils à l'instar des sept terres. La Terre, la Lune, les cinq planètes alors connues, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, que nous voyons tourner autour du Soleil qui nous est proche. Giordano Bruno, l'infini, l'univers et les mondes, en 1584. Le monde est infini sans clôture. Contre Copernic, Bruno abolit la sphère des étoiles fixes, puisque dans toutes les directions à l'infini, le vide immense est parsemé d'étoiles. Intuition remarquable, dit un commentateur. Pour la première fois dans l'histoire de la pensée humaine, le ciel acquit une profondeur, plus exactement c'est la notion même du ciel qui s'évanouit pour laisser place à celle d'espace homogène, c'est-à-dire identique à lui-même dans toutes les directions. Bruno est le premier à postuler contre la doctrine de l'Église de l'époque. De toute façon, oui. Bon. La pluralité des mondes habités, de toute façon, c'est là où les autres religions... bon. Dans son ouvrage de l'infinito universo et mondi, il postule que les étoiles sont des soleils, plus petits car éloignés, et que ceux-ci peuvent abriter d'autres créatures à l'image de Dieu. Il parle d'autres créatures à l'image de Dieu. De toute façon, c'est-à-dire l'ufologie. On en plein dedans. Mais ça ne se disait pas à l'époque. Ainsi donc, les autres mondes sont habités comme l'est le nôtre, demande Burkio. Fracastorio, porte-parole de Bruno, répond « Sinon, comme l'est le nôtre et sinon plus noblement. Du moins, ces mondes n'en sont-ils pas moins habités ni moins nobles, car il est impossible d'être rationnel, suffisamment vigilant, puisqu'imaginer que ces mondes innombrables, aussi magnifiques que le nôtre, ou encore plus magnifiques, soient dépourvus d'habitants semblables et même supérieurs. » Il a tout à fait raison. Il avait tout à fait raison. Giordano Bruno, l'infini, l'univers et les mondes, contrairement à Copernic, il n'appuie pas ses dires sur des preuves mathématiques concernant la mesure du mouvement des corps célestes. La géométrie ment plutôt qu'elle ne mesure. Il se fie au jugement de l'intellect, c'est-à-dire l'intellect qui appartient de juger et de rendre compte des choses que le temps et l'espace éloignent de nous. Et pour finir, malgré tout, le supplice en 1600, le 20 janvier 1600, et parce qu'on n'entend pas de la bonne oreille évidemment, Clément VIII ordonne au tribunal de l'Inquisition de prononcer son jugement qui le déclare hérétique, ça a duré 8 ans le procès, hein, et qui, devant son extrême et résolue défense, le condamne à être remis au bras séculier pour être puni selon la forme usuelle, avec autant de clémence pour se pourrait qu'il se pourrait et se répande de sang. À la lecture de sa condamnation au bûcher le 9 février, Bruno commente « Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. » Le jeudi 17 février 1600, sur le Campo de Fiori, il est livré vivant aux flammes devant la foule des pèlerins venus pour le jubiler. Il est nu, par raffinement de cruauté pour le réduire au silence, on lui a cloué la langue sur un mort de bois. Une fin horrible, hein, que j'ajoute une fin horrible, alors qu'il parlait de pluralité des mondes, c'est-à-dire des mondes extraterrestres, hein, carrément, de toute façon, il faut le dire. Hein. Voilà, qu'on n'était pas les seuls ici dans l'univers, et ça, pour moi, c'est une certitude. Voilà à l'époque comment c'était. Hein. De toute façon, à l'heure actuelle, on doit encore fermer notre gueule. Hein. Je vais faire un parallèle avec le livre Secret de Yeshua de Daniel Mauroy sur la vie de Jésus. Alors, était-il humain? Bon, ça c'est encore des questions. Est-ce qu'il est fort possible? C'était tout simplement peut-être un humain. Faut pas oublier qu'au fil des pages, nous y sommes invités à partager le regard de Yeshua, le regard, sur les 30 premières années de sa vie. Nous découvrons sa petite enfance dans le delta du Nil et ce que furent ses études au monastère essénien de Kremel. Jusqu'à ce voyage de 17 années qui le conduira en Himalaya, pour enfin regagner l'Égypte et y être investi par le souffle christique au cœur même de la grande pyramide. Après, à travers une multitude d'informations d'événements jamais révélés jusqu'à présent, nous accompagnons le maître pas à pas sur le chemin de son émouvante germination, un parcours qui le mènera avec l'aide des Elohim, c'est-à-dire les Elohim dans la Bible en hébreu, la première, on parle des Elohim, des dieux. Hein, qui viennent du ciel, on ne parle pas d'un dieu hein, qui a été encore une fois manipulé, on a compris, hein, par toujours les mêmes, que je vais dire à l'église et tout ça. Bon, bref,
Au cœur même de la grande. Alors, à travers une multitude d'informations et d'événements jamais révélés jusqu'à présent, nous accompagnons le maître pas à pas sur le chemin de son émouvante germination, un parcours qui les mènera, avec l'aide des Elohim, à la découverte de l'ampleur cosmique de sa mission. L'ampleur cosmique. Donc, il a été guidé. Le livre secret de Yeshua est une œuvre troublante et révolutionnaire qui marquera inévitablement d'une pierre blanche l'itinéraire de tous ceux qui, en dehors des églises, voilà, ressentent l'urgente nécessité de redécouvrir la nature originelle et universelle de l'empreinte du Christ sur terre. Bon. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner, j'ai toujours dit. Bon. Son enseignement stimulera en chacun le besoin vivifiant d'une réelle métamorphose unificatrice. Un livre qui constitue sans aucun doute l'annonce de l'arrivée imminente d'un nouveau souffle de lumière. Daniel Meroy, c'est quand même auteur de 35 livres, dans un grand nombre font figure de best-seller. Il est certainement l'écrivain francophone le plus lu depuis 1980 dans le domaine de la quête spirituelle hors d'homme. Les 80 traductions de ses œuvres réparties à travers 17 langues en font assurément l'un des pionniers de la nouvelle conscience, un témoin qui explore audacieusement l'univers de l'esprit. Daniel Meroy vit dorénavant à proximité de la ville de Québec où il poursuit sans relâche son travail d'ouverture des cœurs par son œuvre littéraire unique, ses séminaires et ses conférences. Il y a deux tomes. Jésus, de toute façon, tous les deux. Donc Jésus, c'était peut-être tout simplement un humain qui a enseigné, parce qu'il était aussi jusqu'au Tibet, hein, la lévitation, tout ça, les moines tibétains, qui a guéri des gens. Voilà. Ou alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui était guidé aussi par des êtres extraterrestres. Mais je ne sais plus vraiment s'il en parle dans le livre, Daniel Meroy, mais en tout cas, il parle des Elohim. Pour moi, c'est sûr. Les Elohim, c'est des dieux, voilà, qui viennent pas de ce monde. Ou alors, c'est peut-être carrément un être extraterrestre. Pourquoi pas? Bon, ça paraît peut-être complètement farfelu. Mais il faut pas oublier que dans les enlèvements extraterrestres, ou souvent même quand il y a des gens qui rencontrent, et ça, je continue à le souligner, j'ai eu des témoignages comme ça extraordinaires quand je fais des conférences, à participer à des conférences. Des gens et croyaient avoir vu carrément Jésus, tellement qu'il était beau, il était infiniment beau, plein de sagesse, plein de bonté. Voilà, alors que c'était des êtres interdimensionnels, galactiques, plutôt nordiques, on va dire. Voilà, alors tout peut se relier. Et en fin de compte, je rajouterai encore une fois que tout se relie avec l'ufologie. Voilà, de Giordano Bruno à Daniel Meroy sur la vie de Jésus. Voilà, encore une fois, on est en plein dedans. Ce qui, hein, je pense que c'est pas besoin de faire un croquis ou un dessin, hein. Je crois qu'on a compris. Et là, 2021, ça risque peut-être d'être la divulgation, on ne sait pas, d'ici le 20 ou 21 juin. J'en posterai la vidéo juste en dessous de la mienne, où il y a Bruce de Astronomie Québec, OVNI. On parle d'une divulgation partielle, ou je sais pas, ou complète, pour le 20 ou 21 juin 2021. Bon, je ne sais pas. Comment ça va être fait? Est-ce que ça va être encore manipulé? Mais en tout cas, encore une fois, on parle de l'ufologie. Et on va en parler de plus en plus, ça c'est sûr et certain. Voilà, je coupe. Merci et à bientôt. Comme ça, j'ai fait une parallèle entre les deux. Et je trouve que c'est très intéressant. Merci, à bientôt.